Eh bien, salut à toi YouTube, du coup, bah, nouvelle vidéo, du coup, hein, encore une fois, aujourd'hui, la dernière fois, nous avions exploré les îles brisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'il y aura deux ou trois vidéos pour cette exploration. Du coup, aujourd'hui, nous allons explorer les îles jumelles. Voilà, du coup, tout en commençant par cette petite île. La dernière fois, ça m'avait pris deux vidéos pour explorer l'autre. Du coup, bah, on verra, hein. On verra combien de temps ça va prendre pour celle-ci. On active ça. Alors du coup, ce jeu là-bas, j'ai toujours pas compris comment on le... Comment... Ça, je sais pas. Je sais toujours pas comment on y joue. Hein. Vraiment... Putain, y'a même pas le petit carré. Y'a pas le petit carré pour se mettre dedans. Mais de toute façon, je sais toujours pas comment on y joue. D'accord. Du coup, on va faire le petit défi qu'il y a là. Qu'est-ce que ça va être? Trois peintures... Détruisez trois peintures murales. Attendez, si je prends le ballon. Mais en fait, j'ai pas compris comment ça jouait. Comme ça, détruisez trois peintures murales. Si je fais ça, ça me met pas. Oh, mais je sais pas comment on les détruit, les peintures, moi, en fait. J'ai pas compris comment on les détruisait. Mais vraiment. J'ai vraiment pas compris. Je sais pas, tu tires dessus, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'esquives, tu... Je sais pas du tout. Vous dégagez, s'il vous plaît. Merci. Je veux jouer à la baballe, moi. Ah, mais non! Je veux mettre la baballe. Moi-même, j'ai vraiment pas compris. Genre, je sais pas, ça fait là. En fait, j'ai pas capté. J'ai pas compris le but du jeu. Je sais pas du tout comment faut jouer. Du coup, c'est pas grave. On va interrompre le défi. On va continuer un peu notre exploration. Je pense qu'on va grimper la montagne parce qu'en dessous. Il y a des mobs là à défoncer. Il y a un coffre à récupérer. À part, on ira voir au-dessus. Voir ce qu'il y a. Mais je pense que ça, sur cette petite île, il va y avoir grand-chose, je pense. Bon, alors, on va se mettre en ult. Hein, on va pas perdre de temps. Voilà. Alors, non, mais alors toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est quoi qui me tape là? Voilà. Toi là-bas. En plus, si je tire à côté, ça va pas aller. Ah mais par contre toi on t'a dit au revoir. Bah si je détruis ton truc. Non. Il est mort. Ouh il a coulé. Ouais c'est noyé ouais. Ok. D'accord, le bouton là-bas on va le laisser tranquille hein. Donne-moi les récompenses là. C'est bon j'ai pris les deux. Je sais pas à quoi elles servent les petites ça là les plantes aquatiques là. Ganoderma marin. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Ok. On récupère nos 5 primos, bien, c'est bien 5. Ok, du coup, on a déjà fait le tour de l'île en dessous. Ah! Un truc à trouver. Observer. Que je crois qu'il y a, ouais, il y a plein de murs à trouver comme ça. Regarde, il y a une sorte de dessin sur cette pierre. On dirait une épave. Et un groupe de gens qui essayent d'en sauver un autre. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais prenons-en une photo de cette fresque. Ok. Photo. Là, ouais, attends. Comment j'enlève le perso déjà? Attendez, les menus, je suis coincé. Je suis coincé. Voilà, cacher le perso. Je peux pas grandir. Voilà, on est bien. Photo! On peut pas deviner les gens, le sens de cette histoire simplement en regardant ces fresques. Peut-être qu'il y a des fresques similaires dans les îles environnantes. Jetons un œil aux alentours pour pouvoir. Voir, bah pour voir ce que l'on peut trouver, ok. En fait, je pense que les fresques, ça doit être un peu le défi, on va dire, le secret des îles jumelles. Par exemple, soit les îles brisées, bah non, c'est ici? Non, là? Non, ouais, c'est là, sur les îles brisées, là. Il y a des délires avec l'eau, tu baisses le niveau d'eau et tout, et après ici, il y a des espèces de piliers à activer, je sais pas comment. Et peut-être que du coup, sur les îles brisées, et bah le délire, c'est les fresques. Peut-être. Voilà. Ok. Du coup, on va voir ce qu'il y a au-dessus, s'il y a quelque chose en haut. On va voir. Ok. Du coup, nous avons grimpé à la montagne. Du coup, je vous conseille de passer par ici, là. C'est un peu un petit. Bah, regardez. Ici, là. Ouais, je vous conseille de passer par là parce que c'est assez simple. Que sinon, c'est un peu galère à grimper la montagne. Je sais pas s'il y a un meilleur passage. Mais au moins, on peut aller en haut. Du coup, bah, les coquillages, ça, bien sûr, vous verrez ça dans la vidéo dédiée si elle sort. Que moi, je lui dis qu'il y en a une, mais. Une planche en bois pourri. On dirait un bateau, enfin un demi-bateau.
Qu'est-ce qu'un demi-bateau fait ici? Bah, oublie pas que l'eau avant, elle était plus haute, elle a baissé. Peut-être qu'elle était encore plus haute à la base. Peut-être qu'à la toute base, l'eau, elle est, genre, on voit même pas les îles. C'est pour ça qu'on peut pas tout le temps y aller. Et que du coup, bah là, l'eau elle a baissé. Du coup, il y a un bateau échoué. Il s'est échoué au même moment où je sais pas quoi. Gravé, voyons, qu'est-ce qu'il y a? J'ignore où nous sommes, mais on dirait bien qu'on a laissé Inazuma loin derrière nous. Ah, je donnerais cher pour voir la tête de ceux du Bakufu à l'heure qu'il est. Cependant, je ne vois aucune trace de terre à l'horizon. J'ai peur que le navire ne tienne pas le coup si on ne trouve pas rapidement un endroit où mouiller l'ancre. Il faut qu'on trouve une solution rapidement. Il semble que ce bateau était rempli de gens qui fuyaient Inazuma, mais qu'ils ont rencontré des problèmes en mer. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est dériver avec les courants. Apparemment, leur bateau était encore intact à ce moment-là. Continuons à chercher des indices dans la zone. Emportons la planche de bois qu'on vient de lire avec nous. Exactement. Je vois, tu penses que ces mots gravés peuvent être un indice. Exactement. Je te suis, la plupart du bois sur le bateau a déjà commencé à pourrir. On ne devrait pas avoir trop de mal à détacher cette planche. Allons, allez, arrachons cette planche et partons à la recherche de l'autre moitié du bateau. D'accord. Bien. Ah, c'est bien qu'il y a quelques petits mystères et tout, c'est cool. Ah, il y a un autre bout de... Il y a un autre... Ah, non, c'est qu'un nid. Il n'y a pas un petit coffre dedans? J'aime tellement les OST sur sur l'île. Vous entendez un peu mal que vous entendez la play forcément derrière. Oh, non! Mais incroyable les OST, hein, vraiment. J'aime beaucoup. Faudrait que j'apprenne pour en faire des sons, des musiques pour les vidéos. Bah du coup, à part ça, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Du coup, on va se rejoindre sur l'île, sur celle-là. Non mais oh, j'ai pas demandé ça, j'ai demandé... Ouais, on va faire déjà cette île là. Après, on fera ça et après les deux petites là. Et celle-là. Non, je celle-là. Non, que ça, cette île là fait partie des îles du flanc. Du coup, on fera juste ces deux grosses et ces deux petites là. Ok, juste là. D'accord. Ok. Et ben, on se retrouve là-bas. Allez. Ah là là. Faut, je suis désolé, mais la musique, elle est grave bien là. Hein. Je vous laisse 30 secondes de musique. Voilà. Voilà, c'était 30 secondes de musique. Moi, je sais pas si c'était 30 secondes, mais c'était des instants de musique. Alors, toi, on va pas t'embêter. Hein. Voilà, attaque. Je sais, fais pas de dégâts, hein. C'est juste pour les rassembler. Bah, c'est bon. Attends, mais, si j'essaie pas d'esquiver, forcément. Voilà. Oh, ils m'ont pas lâché beaucoup de choses. D'accord, le coffre qui me. Ok. On récupère toujours ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais si on peut les prendre, c'est que ça servira un jour. Du coup, je préfère les prendre. Parce qu'après, quand il y aura plus, bah il y aura plus, hein. Alors là, du coup, il n'y a pas que dalle. Oh, fais voir. Oh, pas mal, les petits boutons ici. Avec le coquillage. D'accord. Cool. Alors, du coup, on va ouvrir ce petit coffre là. Ah non, il y a des mobs. Viens ici. Ah, c'est bête, j'ai pas tartin. C'est vachement dommage. Hein? On va juste mettre un petit truc histoire de récupérer un peu de vie. Oh, mais la fatigue, hein. Ah, j'ai pas tapé l'autre. Je m'étonne, elle est un peu loin. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Elle est où? Allez, viens. Voilà. Enfin, un coup correct. Ah, je vais vous gagner des dommages. Ouais. Je sais qu'il faut que je monte sans crit, mais un jour. Un jour, j'arriverai à avoir un bon casque gladiateur avec du tocrit. C'est un peu chiant de mettre du 5000 par coup alors qu'il peut faire du 20 000, quoi. Ah non, là, va falloir faire le défi. Oh, bah, je sais toujours pas comment on joue à ce jeu. En fait, le truc, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, l'explication, je l'ai pas spécialement eu. Je l'ai eu, mais il y a eu un petit bug. Du coup, le jeu, il s'est kick au même moment. Et du coup, quand je suis revenu... Bah forcément j'avais plus l'explication. Du coup bah je sais pas comment on joue. C'est ça qui est génial. On adore. Ok du coup, enfin nous arrivons au-dessus de la montagne. Vraiment pour grimper ces montagnes là. Franchement c'est une petite galère hein. Après il y a un TP au-dessus. J'ai vu après. Du coup bah j'étais déjà monté quasiment. J'avais déjà quasiment tout monté. Bah autant que je finisse. Du coup là il y a des trucs ou pas?
Là, j'y suis allé tout à l'heure, il y avait un coquillage. Mais j'aime pas dans les vidéos, encore une fois, je le répète, hein, qu'il y aura une vidéo dédiée normalement. Voilà. Bah, yo! Bah, hé! Hey. C'est dingue ça! Ah, bah. Voilà. Ok. Moi je récupère les petits trucs, hein. Je sais pas si c'est insupportable de voir quelqu'un qui à chaque fois il voit un bout de moi, qui va le récupérer. Mais je récupère, ok. Moi j'ai rien raté en loot, nickel. Voilà, parfait. Ça c'est bon. Que t'as d'ici? Oh, on ira voir ce qu'il y a là-dedans après. Je crois que c'est ici que je disais, attends, quand l'eau elle était encore remplie, on va dire. Non, attends, j'ai raté. Je peux pas te faire de là. Dommage. Ok. Ouais, je crois que c'est là que je disais, c'est vachement dommage que là, quand il y avait le rempli, qu'il n'y ait pas un truc où est-ce qu'on peut aller dans la montagne, machin truc, ça aurait été stylé. Bah forcément, maintenant que l'eau elle est baissée, ils ont mis un truc, et ça c'est bien ça. Moi je suis content, c'est un peu ce que j'avais demandé. Je vais juste grimper tout en haut. Ouais, j'aurai plus une TP, je sais, mais laissez-moi. J'ai grimpé autant que je grimpe jusqu'au bout. Hein. C'est ma montagne maintenant. Hein. Non mais où? Non, il ouvre le coquillage. Hein. Oh, je sais pas où il est, mais du coup ici, ouais, y a rien d'autre. Ah, ça se trouve, il est dans le trou le coquillage. Hein. Moi j'irai là. Hein. Ah, il est là, ok. Ok, allons explorer la grotte. On est sur Minecraft là. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Ok, je peux casser ça. Oh, il n'y a pas une note illisible. Je n'aurais jamais pensé qu'il y a un endroit comme celui-là. Hein? Il y a un journal ici aussi. Voyons voir ce qu'il est écrit. Oula, pas d'autre solution pour quitter cet endroit que de passer à travers le brouillard. Il doit bien y avoir un moyen. Le phénomène est visible sur le récif au nord-ouest. J'ai vraiment envie de l'amener le voir. Si mes souvenirs sont bons, ça arrive aux alentours de 11h. Une brèche est parfois visible brièvement dans le brouillard au-dessus de l'île au nord-est. Qui sait, peut-être arrivera-t-on à quitter ces îles. Le vent, oui, avec le vent. Traverser d'une traite devrait être possible, mais la direction suivie par les vents dans cette région maritime est particulièrement étrange et il est indispensable de saisir le bon moment. Peut-être que partir vers midi pourrait marcher. D'accord. Ah non, mais je voulais prendre la screen. Là, pourquoi ne pas faire comme c'est écrit sur le journal et nous rendre sur cette île au nord à midi? On trouvera peut-être quelque chose de nouveau. Ouais. Mais non! Je peux pas relire le journal? Oh! Du coup, je prends ça. Ok, les copains! Du coup, on va le faire tout de suite, la petite mission. On va aller à l'île, du coup. Je pense que juste en volant, ça devrait suffire. Au pire, ça suffit pas, bah, je le dirai. Et bah, c'est parti! Voilà. Ok, du coup, là, on s'approche. Bah, là-bas, il y a un petit typhon. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, du coup, sur l'île. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Attends, là il y a un coquillage. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. On va juste. Bah, je vais prendre le coquillage et j'arrive. Ok, du coup, on a ça. Je vais juste regarder là s'il n'y a pas un petit truc. Ouais, non, de toute façon, il n'y a rien. Juste regarder si en dessous il n'y a pas quelque chose là. Du coup. Alors, attends, tac. Oh. On va aller dans la grotte. Oh, bonjour! Comment ça va la compagnie? Ouais, c'est qu'on va pas s'embêter, nous. On va vous dépenser par contre. Voilà. Ah oui. Oh, c'est moi le loup ici. Non mais oh. C'est dingue ça. Voilà. Non mais oh. C'est moi le monstre. Avec un beau petit coffre précieux. Ah mais c'est parfait. Bah juste pour ça, c'est bien d'avoir été sur cette île. En plus, on y a été quand il fallait. Pour la mission. Franchement, j'aime bien. Ça sert à rien. Compte pour remonter. Tout compte. C'est là-bas. Je viens d'où?
De là-haut. Oh, je sais pas. Bon, je remonte. On se retrouve en haut. Ok. Du coup, maintenant, nous allons nous mettre entre 10 et 14 heures. Voilà, 10h50, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ouais, pas un truc incroyable non plus. Ok. Oh, il y a plus de tourbillons dans l'eau. Ok. Ah, par contre, selon convenu le journal. Ah, par contre, faudrait y aller à pied. Hein. En bateau. Oh, j'ai le seum. Du coup, je reviens en bateau et on va voir ce qui se passe. Voilà, du coup, je suis de retour à travers de mon bateau, de ma petite barge de qualité. Alors, du coup, suivons-le. On va suivre le vent. Ok. Oula, la météo. Ah, il y a du brouillard, comme il disait dans le message. Attends, ça va là-bas, le truc dans. Eh, on peut couper un peu. Hein. Il nous fait vraiment faire un tour. Ah oui, en plus à gauche, à gauche, à côté, en tout Paimon, à gauche de la carte, on voit qu'il y a du brouillard. D'accord. En plus, même il y avait du brouillard au tout début, non? Genre après, c'est. Ouais, quand on est arrivé la première fois sur l'île, il n'y avait pas genre du brouillard et du coup, c'est un LTP qu'on avait. Ouais, même quand du coup, on suivait les balises, on va dire. Attention. Cette pierre a disparu. J'ai pas pu lire la suite. Attendez, je vais voir si je peux pas la. Oh, un peu moins de brouillard. Brouillard. Oh, j'ai pas pu lire, dommage. On va où là? Là-bas, ok, on continue tout droit. On va mettre main droite. On suit pas le truc à la lettre, on coupe un peu. Oh, quoi? Oh non, sérieux, faut suivre le truc. Ok. Oh, on se retrouve vers là-bas du coup, hein, que c'est chiant. Ouais, bon, je reprends maintenant, je sais pas exactement où est-ce qu'on s'était arrêté. Mais on va, je reprends maintenant, hein, moi comme ça je suis sûr de qu'on va rater rien. Même si rien n'a raté. On passe entre ça. Perfect. Putain, le caillou il disparaît, c'est quoi ça? C'est un mirage le truc? Oh, une île. Ah oui, c'est l'île qu'il y avait tout en haut. Ok. Putain, on a vraiment fait un. Ah oh, putain, comme le détour quand même. Ok. Du coup, ça va être là-dessus qu'il y a l'île ou est-ce qu'il y a leur. Non, c'est pas là où il y a leur trésor. Là, je sais plus ce qu'il y a. Mais on sait ce qu'il y a ou pas? Donc, une équipe a plus de brume. Ouais, c'est bizarre, il fait tout beau ici. Alors. Qu'est-ce qu'on va trouver? Explorer les environs. Ah bon? Je suppose que. J'ai pas le temps. Bah, lisez, moi j'ai pas le temps de lire. Oh! Oh! Mais c'est la fête au trésor ici! C'est l'île au trésor! Incroyable! Oh là là. Ah, mais par contre, t'as beaucoup de trucs à ramasser du coup. Oh. Voilà. Du coup, on récupère la petite fresque en même temps. Je sais que je pourrais faire une vidéo dédiée pour ça, par exemple. Mais en vrai, ça sert pas à grand chose. Hein. Ah, j'aurais dû prendre la screen des trois coffres. J'ai trop le seum. Je suis trop bête. Ok. Du coup, bah voilà. Hein. Du coup, attends, j'avais un défi. Prenez une photo de je sais pas quoi, ça s'est enlevé. Trouver le trésor sur les îles jumelles, l'autre moitié. Prenez une photo de la fresque de l'îlot anonyme. Ah. C'est vrai, pour prendre des photos, oui, faut pas que j'oublie, hein. Voilà, on a la photo, perfect. Et bah nickel, c'est parfait, on a récupéré ce qu'il y avait là, il y avait plein de petits coffres et tout. Franchement, bah c'est bien d'avoir suivi ça. Bah go retourner aux îles jumelles du coup. Allez, on y retourne, on va explorer ça maintenant. Ah non, à part en dessous, on va voir, on là-bas, à l'attaque. Ah ah, je savais que j'ai oublié quelque chose. Il y a notre défi préféré. Parce que maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, forcément on aime bien ce défi. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Alors lui, faudra le déplacer. Donc en fait, lui va falloir. Attends. Non, c'est lui qu'il faut déplacer, je suppose. Ah d'accord, ah oui d'accord. Ouais, du coup c'est bien ou pas? Je vais voir. Ouais, ça c'est bien. Mais ça, moi je dirais que c'est pas mal ça. Hein. Ah non, faut que j'envoie genre à gauche. Ok, comme ça. Ah, c'est censé être bon. Mais le truc, il est où? Il est où le truc? Les anneaux? Ah ouais, c'est là-bas, ok. Oh! Position haute. Ça sert à rien, position haute, fais voir. Ah ouais.
Bah, de toute façon, si ça marche comme ça. En fait, en gros, genre, c'est quoi? Il y a deux façons de faire, c'est ça? Ça fait ça. Ah, ok, position haute. Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Ok. Voilà. Tac, du coup, ça prend l'élément électro. Tac, ça l'envoie. Ping! Et pong! Et c'est gagné. Voilà. Un magnifique trésor de gagné pour moi, encore une fois. Trop simple. Alors, ok. Oh, là-bas. On va. Oh, mais là-bas, les îles, je voulais y aller après sur ces îles-là. On ira après. Ces deux îles-là, c'est à la fin qu'on ira. Juste là-bas. Ah, il y a un coffre à récupérer. Y a-t-il quelque chose à faire ici? Bon, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose à faire. Ah, bah tiens! En plus, tu vas à moi. C'est pas trop beau. Ok. Ah, ouais, par contre, attends. On va éviter de mourir. Ah, mais c'est bon, on a compris! Oui, bah, il y a de l'eau, je gêne, merci. Allez. Je vais récupérer un peu de vie avec lui en même temps. C'est qui manque? À toi. Le temps que j'ai mis à ajuster. C'est dingue. Là, tu tombes dans l'eau. Voilà. Ah, mais toutes, non, pas. Voilà. Là, c'est fait. Nickel. Qu'on récupère ça. Je peux pas faire l'autre, hein, c'est pas grave. Ok. Qu'on va rejoindre pour le coffre là-bas. Ok, du coup, on arrive direct ici parce que le coffre qu'on avait vu là-bas, en fait, c'était le coffre du jeu sur les murs là, que j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Alors, toi, on va bouler un peu ton truc en même temps. Voilà. Allez. Alors, ah oui, sur lui, parfait. Et boum, voilà. Nickel. Non? Donne-moi les masques, merci. Là, je peux faire un attaque en piqué, mais oui! Là, je peux faire? Non. Je pouvais plus courir. C'est moi, c'est juste mon endurance. Hein. Ou alors toi? Voilà. Mais comme ça, tu respawn toi. Non, mais oh. Ah, dommage. Et là, ça finit. Parfait. Nickel. Ah, est-ce que toi, je pourrais faire une petite attaque en piqué comme j'aime bien? Ou oh, toi, ça passe. Mais oui, ça passe. Voilà, nickel. Nickel. Là-bas, ça sert à rien, c'est l'île du boss. On n'a rien à y faire. Bon, de toute façon, on n'y sera pas allé tout de suite. Et là, de toute façon, j'avais déjà à peu près looté. Hein. Ici, c'était déjà dispo quand la mer était haute. Bon, ça, ouais, là-bas, on s'en fout. Ok. Du coup, ici, ça a l'air plutôt pas mal. On va juste voir. C'est pas un autre truc qui reste là-bas. Ah, ok, le truc de la barge à l'époque. Du coup, il n'y a plus rien. Ça, on l'a déjà fait. Du coup, c'est parti pour commencer à explorer ce qu'il y a là. On va faire ça. Ok, un truc à. Ah, ça, il y a pas mal de trucs à anneaux là. Direct là-dedans? Waouh, je suis trop fort! Vous avez vu comment je suis fort? Je suis trop fier de moi là. Oh là là. Du premier coup, hein. Oh. Incroyable. Pourquoi il y a du loot là? Il peut tomber du. Ouais, ok. Du coup, là, il n'y avait rien. Alors, toi, tu vas aller à droite. Voilà. Toi aussi. Voilà. Toi à gauche cette fois. Deux tours. Deux tours. Et ça va suffire. Non, encore un tour, on a dit. Voilà. Voilà. Ah, trop tôt. Ok. Ah. Si c'est bon. Ah, mais si je m'enlève, forcément, je vais pas savoir si c'est bon. Très malin. Ok, parfait. Ah, c'était juste, mais bah ça passe. De toute façon, ça fait pour. Hein. Et. Raté? Comment ça raté? Ah, y'a un truc à faire avec ça? Ah oui, ça brille. Oh, je suis trop bête. Faut que je monte. Ajuster. Ah, bah c'est peut-être mieux. Ah, bah forcément, bah oui. Bah, logique, tu vas me dire. Voilà, on réactive ça. Boum.
Voilà, du coup, on attend que ça marque. Et maintenant, on va faire la foudre du tonnerre. Voilà, boum, c'est gagné. Je sais plus si c'était ça là. Non, éclair pulvérisant, voilà, excusez-moi. Moi, ouais, même si éclair pulvérisant, il était. Je crois qu'il était à moitié jaune, à moitié violet, non? Ou il était que jaune? Je sais plus. Mais on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait l'éclair. Perfect, ok, on ira à l'intérieur de ça après vite fait. Alors, ici, alors attends, oula. On va vers la droite. Voilà, toi, un coup à la gauche. Et toi, bah non, en fait. T'es très bien ici, hein. C'est bien là? Moi, ça a l'air pas mal. Non mais oh! Oh ça, oh, nickel, j'ai de la chance. Que le jeu ait marché tout seul. Joystick, j'ai pas. Non, c'est moi en fait, j'ai pas totalement lâché le joystick. Du coup, ça a marché. Mais bah, ça a marché, du coup. Effectivement, ça a marché. Du coup, il doit bien avoir un petit coffre à récupérer là-dedans. Non? Ah voilà! C'est ça que je veux voir. Il n'y a que vous. Seul vous êtes les gardiens de. Du coffre. Ah, je me disais bien. Non, ok mec. Ils m'ont raté, dommage. Allez, un petit crit s'il te plaît. Non mais un crit pas. D'accord, bon ça veut pas. Voilà. Une masque, voilà, on observe. Waouh, on a trouvé une autre fresque. Cela semble représenter une montagne avec un symbole spécial dessus. Oui. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais prenons-en une photo. Prenons une photo de cette fresque. Je suis sûr les fresques amènent où est-ce que j'ai été dans le trou? Je suis sûr c'est ça. Ça me tiendrait même pas. Voilà, on prend la photo. Ça ressemble à l'endroit où on a trouvé le journal. Exactement. Peut-être que le journal et la fresque ont été laissés par les mêmes gens. Ah, au moins c'était bien. Le jeu, il comprend. Si on a fait genre, si on a trouvé le journal en premier. Bah du coup bah pas besoin de d'y retourner quoi, ils nous disent pas ah il faudra peut-être elle. Non c'est pas. C'est bien, ils ont bien fait ça, c'est cool. Du coup c'est raccord. C'est à chaque fois c'est raccord, genre si on a fait une mission avant l'autre, on a rencontré quelqu'un avant une autre ou quoi, ou une personne avant une autre ou quoi, et bah à chaque fois du coup ils mettent bah en fait genre ils le savent le jeu. Je voyais pas en mode comme si à chaque fois on découvrait, on rencontrait de la personne. Oh salut, qui es-tu? Non. Ça, je trouve ça bien. Ça, vraiment, sur le jeu, c'est bah, c'est bien fait. Hein. C'est pas dur à faire, peut-être. Mais il y a plein de jeux où est-ce que. Plein de jeux, même des gros jeux, des gros triple A, où est-ce que ça serait. Bon, après, ça se passe pas dans les gros triple A, normalement. Il y a plein de jeux où est-ce que ça serait en mode. Oh, salut, mec, t'es qui? Alors que, bon, on sait très bien qui c'est qui t'es qui, quoi. Mais voilà. Du coup, c'est cool. Allez, du coup, on va aller sur les deux dernières petites îles là-bas. Pour conclure tout ça, hein. Allez. Ouais, bon, bah, je pense que celui-là va pas être très dur, hein. Attention. Wouah! Ah, bah, c'était dur, hein. Ah, bah, eh. J'ai dû mettre beaucoup de coups, hein. Avant de que j'enregistre, là, je devrais pas vous dire, mais j'ai mis beaucoup d'essais dans le vide, hein. Ah, ouais, attention, hein. Là-bas, de toute façon, ça sera l'autre îlot. Ouais. Ça sera l'autre îlot. Ok. Après, faudra qu'on grimpe ces montagnes-là. Les arrêts de voler de L à L direct, je pense. On récupère le coffre et on va activer le truc de la barge. Quoi? Ah oui, d'accord. Je me disais pourquoi j'avais tiré. Franchement, oula, excusez-moi. Je pensais que c'était la fleur qui avait tiré. Oh, mais toi! Allez. Va dans le feu, s'il te plaît. T'es où? Bah, elle est où? Même dans l'eau, ça marche. Voilà! À quel moment elle se met dans le sable, s'il te plaît? Encore quelqu'un d'autre? Oh oui, toi! Oh, faut vraiment que. Il me fatigue ce mob! Hein. Ah, pas la première fois qu'il me fait ça! Hein. La dernière fois, on était avec un pote, on est facilement. En fait, on n'avait pas de type feu dans l'équipe. Du coup, on a facilement passé 5-10 minutes à essayer de la tuer parce que ça mettait la musique et on en avait marre. Alors bon. On a l'habitude. Ok, du coup, on va retourner sur notre île là-bas. Ok, du coup nous sommes au-dessus de l'île, du coup bon on a un truc bon, je pense que oui. Ils aiment bien nous mettre des trucs simples, hein. Maintenant qu'on sait faire le truc, ils nous mettent des simples. Hein. Wow, c'était dur, hein. Attention, ouh. Ok.
Là-bas, il y a un truc de bateau. Bon, on s'en fout un peu. Là-bas, nous y sommes allés. Ah, ça, on n'est pas encore allé sur cette île-là, mais du coup, bah, ici, il n'y a rien d'autre à faire, j'ai l'impression. Il y aura ça à faire après. Attends, là-bas, c'est où, là? Ouais, c'est ça. Ah, okay, du coup, et ça. Ouais, ça va être avec. Oui, oui, ok, ok. Mais du coup, là, il y a l'air d'y avoir rien d'autre. Bon. Bah, pourquoi pas. Ok, mais du coup ça je vais toujours pas le faire. On va aller sur l'île qu'il y a là-bas. Allez. Ok, génial, je peux pas faire ma célèbre attaque. Parce que bien évidemment, je vais par Ara. Voilà. Perfect. Alors toi. Nickel, ok, ça c'est fait. Du coup, on récupère le coffre. Allez, donne-nous ça, voilà. Du coup là, il y a rien trop à boire. Y'a pas grand chose ici, hein. Franchement, vu la taille des titres, faut pas s'étonner. Y'a un coquillage là? Elle va être en dessous. Ok, je fais juste un peu le tour. Oh, le coquillage, ok, il est. On va dire qu'il est là. Oh, y a pas grand chose, hein. Je vais récupérer ce qu'il y a là-bas. Ah, on va défoncer les petits poteaux là-bas, ok. Voilà. Alors, boum. Perfect. Ah bah non, mais oh. Voilà. D'accord. Nickel. Boum. Voilà, du coup ça se fait bien. On va faire l'anneau qui est là-bas. Je sais pas comment ça s'appelle ça. L'anneau. Allez. Non, du coup celui-ci. Ouh, il a un peu de difficulté. Du coup ça a l'air bien mis. Toi, on va te tourner. Encore un coup. Voilà, ça c'est censé être bon. Hein. Voilà. Waouh, c'était dur. Ok. Du coup ça c'est fait. Et je vais récupérer le loot into le coquillage. Ouais, bah du coup YouTube, je crois qu'on a fini d'explorer les îles jumelles. On a tout fait, on a été là, on a fait ça, on a fait ça. Ouais, on est allé partout, on est même parti jusque là-bas. Du coup je crois 100%. Ça va être coupé en deux vidéos parce que ça fait comme une heure que j'y suis moi. Du coup c'est sûr que ça va être coupé en deux vidéos. Bah du coup on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup normalement on aura... Je sais pas si on aura tout découvert, tous les murs. Par contre, je ne sais pas du tout. Mais on en a quand même trouvé pas mal des murs. En vrai s'il en reste, ils sont quand même bien cachés je crois. Parce qu'on est allé partout, on a été dans... On est allé tout en haut, toujours en bas, on a été dans les trous des montagnes. À chaque fois on faisait le tour. Du coup s'il en reste, peut-être on est un caché. Mais bah donc je savais qu'en fait après ça menait à l'endroit où on est allé. Mais ça fait après bon, on a fait tous les défis. Bon, à part les défis des murs que je sais pas comment faire, je répète toujours, voilà. Mais sinon voilà, les jumelles elles sont assez cool. On a réussi le mystère de ces îles comparé pour l'instant j'ai pas fini le mystère des îles de ces îles là. Après je pense mais des îles brisées, mais je pense que j'en ferai une vidéo à part. Ouais, bah, c'est même sûr. Mais du coup on a fait des îles jumelles. Je sais pas si les îles du flanc elles ont un mystère. J'espère. Mais j'y crois pas plus que ça. Je sais pas, par appétit c'est comme les îles funestes où il y a une seule île hein. Mais ouais, je pense que je ferai les deux en même temps. Mais voilà, du coup bah on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le like / abonnement si ça vous avait plaisir. Si vous avez une suggestion, une question ou quoi, n'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà, moi du coup, bon bah. Il y a le lien du Twitch dans la description aussi, parce que par exemple, toutes les découvertes des îles et tout, là, tout ce qu'on fait là sur les îles, à part certains défis comme ça, bah, je les fais en live sur Twitch. D'ailleurs, faut que je fasse la vidéo pour ça. Mais sinon, on fait tout sur Twitch. Et puis voilà, du coup, bah, lien de description, et on va s'arrêter là, ou trop longue, comme d'habitude. Portez-vous bien, à la prochaine. Plus, au revoir. Ok les gens, du coup, je sais pas à quel moment je mettrai ce passage. Parce que moi, du coup, là, j'ai fini. Je croyais avoir fini les îles jumelles. Et j'ai regardé dans mes quêtes parce qu'il y a des quêtes à faire.
et je n'ai pas trouvé le trésor. Et comme de par hasard, le seul endroit où je suis pas allé, c'est le seul endroit où il y a un putain de Butoko qui creuse dans le vide. Du coup, je me suis dit, bah, il n'y a rien ici, du coup, je vais pas y aller. Mais si, apparemment, il y a un trésor à récupérer. Du coup, si je te tue, ok? Ouvrir, et on a le coffre verrouillé. Oh! Je me demande ce qu'on va trouver dedans. Il y a un verrou dessus avec un code. Il va falloir trouver la combinaison pour l'ouvrir. On peut pas la casser la serrure? Attends, si on casse ce qu'il y a à l'intérieur. Ah mince! Trouvons plutôt un moyen de débloquer, d'accord? Mais puisque cette boîte contient un héritage familial et qu'elle est fermée par un code, cela doit vouloir dire que la personne qui l'a verrouillée pense que la combinaison est suffisamment facile pour pouvoir la retenir. On dirait bien que notre seul espoir, ce sont ces conques qui capturent les sons. Écoutons à nouveau ces conques, espérons qu'elles nous donnent des indices sur la combinaison. Ok, imagine, je vais là. D'accord. Ok. Mais c'est normal, ok, d'accord. Du coup, bah, je vais aller écouter et je vais essayer de trouver, du coup. On va voir ça. Du coup, les potes, là, je pense que c'est comme il y a écrit dans le titre, 5 montagnes, du coup, ça fait 5 monts, du coup, ça fait 5, 2 chemins, 2, une rivière, 1, et 4 vents, du coup, ça fait 4. Du coup, j'ai oublié, 5, 2, 1, 4. Est-ce que le code va être 5, 2, 1, 4? Attention. 5, 2, 1, et 4. Oh, il s'est ouvert! Je suis trop fort! Voyons ce qu'il y a dedans. Oh, je suis trop fort. 40 primo. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Ok. Eh ben, nickel. Voilà. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai déjà fait l'outro. À la prochaine. Plus, plus.